Hop. Encore, encore. Allez. Yo yo les dragons, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, compétition de street lifting, street workout. Donc là, on est au Raw Training. La ville, je sais plus, j'ai plus en tête. Donc là, c'est Joe qui filme. Donc là, on vient d'arriver. Bon, on va voir comment ça se passe, hein, les gars. C'est une compétition internationale, mais il y a les meilleurs. Donc en dips lesté 48 kg, il y a le champion du monde qui est là. Moi je vais juste essayer de faire mieux que mon record qui est de 17 reps que j'ai fait pour être qualifié. J'essaie d'en faire 18, ça serait bien, on verra. Après c'est juste pour la participation, expérience, rencontrer des gens du street lifting. Et voilà. Et là il y a Atit qui se cache. Ah là toi pourquoi tu te caches? Putain. Voilà Atit, voilà ça c'est... Vous voyez des fois j'ai déjà partagé des sons. Je disais ouais il y a un pote à moi qui rappe et tout machin. Bah c'est Atit. En plus dans la vidéo de la semaine dernière je vous ai mis un son de lui, c'était le dernier son où je faisais les triceps là. Et ben c'était à lui le son. Donc voilà, donc là il est venu me supporter, c'est cool, il y a Joe qui filme derrière, il va prendre quelques pans. Puis voilà quoi, on est parti. Là ça va commencer les dips à 48 kg. Je suis avec un compatriote et moi. Donc il s'est qualifié aussi pour les dips à 48 kg. Donc bon là il y a le champion du monde, hein, comme je vous ai dit, on va faire ce qu'on peut. Là normalement on devait commencer dans 10 minutes. Ça fait, je me suis déjà échauffé. Et au final, bah non, c'est dans une demi-heure. Déjà ça, c'est chiant. Mais bon, c'est pas grave. Donc on attend. Il va avoir un test de record du monde de traction lestée avec un sac. Et après ce sera mon tour parce que je passe en premier. Putain. J'ouvre le bal, j'ai même pas 2-3 personnes qui passent avant moi pour m'énerver. Non, je passe en premier. Donc on verra bien. J'aime pas quand c'est long. J'ai envie de torcher direct le truc. Comme ça, c'est fait quoi. Là je passe en premier, c'était délicat. Je sais pas combien j'en ai fait, je sais pas compter, on verra à la fin de la vidéo. De toute façon, on est 18. Bon les gars, là je suis à la compète et j'ai rencontré des gens qui regardent nos vidéos. Ils vont se présenter, vas-y présente-toi. Salut, moi c'est Dusty de Bar, je viens de Guéret, de Creuse. Bon, un petit peu perdu mais c'est un bled quand même de France, hein, les gars. Je
représente la salle, le CrossFit Viking Spirit à Guéret. Voilà, ils sont spécialisés dans le street lifting. C'est ça, street lifting. Eh, ça c'est le frère. Le frangin qui surveille le petit frère. Voilà, un ancien. Quel âge? Le vieux, 42. 42 est toujours là. Là, je suis avec le champion du monde de dips lesté à 48 kg. Donc, il va se présenter, il va parler en anglais. Hello guys, so where do you from? Ukraine. Ukraine. So your world record is? No, it's not world record, but it's good attempt. Yes. 33. Donc, il fait 33 reps à 48 kg. And your max weight in one rep. 135, yes. Donc il fait 135 kg en une dips lestée. Donc il est vraiment fort. Donc je mettrai son Instagram là, vous allez voir, il a des putains de perfs. Donc franchement c'est du lourd. Bon les gars, là j'ai fait ma première compétition de street lifting. Et en fait bah, je l'ai connu par rapport. Vas-y, tu vas te présenter. Vas-y, présente-toi. Alors moi c'est Omar de la Team All Bars. Voilà. Je suis le vice-président de l'association. Ça fait un bon moment qu'on fait du street workout et du street lifting. Okay. On a un gros palmarès dans toute l'Europe. On est aussi organisateur de compétitions. Et voilà. Et du coup là c'est pas la première compète que vous avez fait. Non, c'est la troisième édition. C'est une compétition qui s'appelle le Lobar Games. On réunit les meilleurs Européens dans le domaine. Et tu as été sélectionné parmi les meilleurs européens. Ouais, bon, franchement, ça me fait grave plaisir. C'est-à-dire que je suis pas trop mauvais. Et du coup, bah là, street lifting et le street workout, tu peux me dire à peu près la différence pour que les gens connaissent le street workout, en fait, si tu veux, on va faire simple, le street lifting fait partie du street workout. Ouais. Tu vois, le street workout, si tu veux, c'est le mouvement global. C'est ça. En fait, à la base, ça a été créé dans les pays de l'Est. Ça a été popularisé par un américain qui s'appelle Hannibal Forking, voilà. Que tout le monde connaît. C'est ça. Donc il y a une partie freestyle, il y a une partie set and rep, et il y a une partie lestée. La partie lestée, c'est le street lifting. Ouais. Et voilà, en gros, donc, c'est ça. En plus, les principaux mouvements, c'est le muscle up, les tractions, les pompes et les dips. Et voilà. Et mouvement street. C'est-à-dire nous, en tout cas, c'est notre. c'est la règle. C'est la règle de. Ouais, parce aussi. Que là, j'ai en plus j'ai une rep qui a pas été validée parce que j'étais trop vite, je suis dégoûté. Bah ouais, mais bon, c'est normal, au moins c'est cool. Donc, je vous mettrai toutes les infos de la salle. Elle s'appelle comment la salle ici? Road Training Camp. Ouais. À Saint-Germain-les-Arpajons dans le 91. Voilà. Donc, je mettrai tout en descriptif, les gars. Je mettrai aussi son Instagram, les Instagram dans le bar. Franchement, il y a grave du niveau. De toute façon, le niveau en France, c'est vous, en gros. Moi, d'après ce que j'ai vu, hein. C'est nous et c'est aussi d'autres équipes, on va pas se mentir, mais
Mais on a commencé à avoir un bon level, effectivement. Ouais. Mais il y a d'autres équipes en France qui donnent bien. Ouais, parce par que... exemple, en freestyle, on a un champion du monde. Ouais. On a un champion du monde, c'est quelque chose qui est rare quand même, champion du monde. D'accord. Ça s'appelle Eric Ortiz d'ailleurs. Ah oui, ah oui. Ah ouais, je vois, c'est qui, il est dans le sud. Oui, il était dans le sud, mais justement, à ce moment-là, il est en, je crois qu'il est à Dubaï. Ah ouais. Maintenant, il se fait bien. Ouais. Donc, ouais, effectivement, donc, tant mieux pour lui. Et voilà. Enfin, bref, dans le sport coach, il y a plusieurs têtes qui commencent à émerger, ouais. Et c'est bien. Déjà, chez vous, il y en a un mec, il est chaud en traction là, 32 ouais. kilos. Frédéric Clerc. Voilà. Qui a essayé le record du monde. Du coup, j'ai même pas capté s'il l'a normalement, eu. Normalement, il est validé. Ouais. Donc, on va l'envoyer au Guinness pour voir si ça va être validé ou pas. Ok, c'est max de traction 1 minute avec. Max de traction 1 minute avec 45 kilos. Et voilà. Ok, donc c'est juste pour vous dire que les gars, il y a du niveau. Donc, moi, franchement, ça m'a fait plaisir. C'est une première compète. Et je pense que je vais en refaire parce que je me trouve. Je me pensais très très loin. Mais au final, ça va, je me suis quand même démerdé. T'es pas si long. Tu sais, je me suis dit, oh, vas-y, laisse tomber, je vais être à l'ouest, les gens vont en taper. Mais bizarrement, les gens, ils ont pas fait leur meilleure perf. Ouais. Malgré que le niveau est élevé, les gens, ils ont pas fait leur meilleure perf. Je pense que, je sais pas si t'as vu, on a vu une nouvelle station. Ouais. Et c'est différent. C'est différent. Les gens, ils ont jamais eu le temps de tester ce genre de station. Je sais pas si t'as jamais vu une station comme ça. Non, franchement, elle était top. Hein. Franchement, elle était top. Ouais, on l'a construit spécialement pour l'événement, en fait. Ouais, ouais, franchement, c'est top. Parce que moi, à la base, je suis sur les vieilles chaises romaines. Voilà quoi, j'ai pas, nous on a pas trop de structure de street workout comme ça. Franchement, la salle elle est bien. Y a pas dans la salle jaune, parce que là, ouais, c'est ça. Si tu peux faire des sports de combat aussi, Retourning Camp, ouais, tu peux faire sport de combat, tu peux faire du grappling, tu peux faire de la boxe thaï, tu peux faire du jiu-jitsu brésilien, ouais. Tu peux faire franchement, y a presque tous les combats. Tu peux faire du street workout, tu peux faire des circuits training, du ouais, muscu. Exactement, je te propose que tout faire. Ouais, t'as tout ce qu'il faut. Franchement, on aurait une salle comme ça chez nous, ce serait mortel. Franchement, bah ça fait plaisir. Tu peux faire aussi l'escalade aussi. Ah ouais? Non, il y a un mur d'escalade, je sais pas si t'as vu. Ah bien! Donc voilà, on va rester là et puis on se reverra sûrement ici parce que je pense qu'on va essayer de s'organiser et de faire une vidéo ensemble. Bah, c'est pas plaisir. Mal. Pour présenter le truc, vraiment le street workout et street beating. Comme ça, tu sais, genre, on suivra tes entraînements, tu montreras à peu près pour que les gens connaissent un peu mieux notre communauté. Et on va finir sur un petit mot de Omar. Vas-y, qu'est-ce que t'as à dire? Je te laisse finir. Devise, en freestyle, vas-y, ta petite devise. En freestyle, j'ai absolument rien à dire, juste suivez-nous sur nos pages, voilà, Jimol Bars. Sur Facebook, Instagram, YouTube. Là, YouTube, on est en train de le refaire. On va envoyer des grosses vidéos. Ça va être très très lourd et j'espère qu'on aura l'occasion de faire une vidéo ensemble. On fera ça. Venez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Et puis voilà quoi. Moi, ce que j'aime bien chez eux, c'est quoi? C'est pas des fakes. D'où notre truc, nos fakes just training. Eux, ça se voit que c'est pas des fakes. Et voilà, charbonne et puis voilà. Voilà, c'est tout, les gars. Bon, les gars, on enchaîne là. Journée n'est pas terminée. Donc là, après ma compète, et ben là, on est de retour à Reims et il y a une compétition. De grappling, jujitsu, quoi d'autre? Ouais, en fait c'est une compétition organisée par Europe d'Optim Reims, mon ancien club. Voilà, quand ils faisaient de la bagarre. Mon club. Et ils font ça avec la FFL, donc Fédération Française de Lutte. Donc il y a du grappling fight, les noms changent, mais en fait c'est grossièrement du MMA quoi. Il y a plusieurs disciplines en fait qui sont représentées, parce qu'en France, vu que t'as pas le droit de taper au sol, et ben t'es obligé de faire des autres choses comme du sambo, des choses comme ça, voilà. Donc voilà, je vais vous filmer quelques trucs. En plus, j'ai un pote qui combat. Donc voilà. Bah, allez, c'est parti, on se trouve à l'intérieur. You have one shot on stage, but you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. The roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my heart harass. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my heart harass. I'ma rip this shit till my bones collapse. So on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back. I'm so gone, faded off a 30 rack. She's so on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back.
I rap with a passion, yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice on this madness. That is why your status is like a canvas. Chances are advancement is enhancing. And this new expansion's like a mansion. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my high progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Yo yo les dragons, bon, là je fais un petit retour sur la journée de samedi, sur le All Bar Game. Donc j'ai pas filmé samedi soir parce que vous avez vu, hein, on a enchaîné la compétition de sport de combat, le Rotop Team qui a organisé ça, c'était Fight in Reims, c'est ça ouais. Ouais, ça. Voilà, il y avait du grappling, etc. Un espèce de pancrace, mais bon, sous un autre nom parce qu'ils étaient avec une fédération de lutte. Enfin voilà, vous connaissez la France, c'est pas, on peut pas faire du pur MMA. Donc voilà. Donc là c'est pour faire un petit retour donc, sur la compète. Donc franchement moi j'étais parti juste pour participer. Déjà ça m'a fait plaisir d'être qualifié, d'être dans les 16. Après on s'est retrouvé à 15 là-bas, mais normalement c'était 16, top 16. Il fallait envoyer une vidéo, etc. Donc j'ai été qualifié. Donc pour moi franchement c'était déjà une victoire parce que il y avait un gros niveau quoi. Il y avait plusieurs compétiteurs, il y avait des Espagnols, un Ukrainien. Hein, que vous avez vu, hein, champion du monde, il fait le double de mes reps. Donc franchement, je me suis dit, quand je suis arrivé là-bas, je me dis bon, il faut que je batte mon record, qui était de 17 reps. Il faut que je batte mon record, et ce qui serait bien, c'est que je ne sois pas dans les derniers. Parce que franchement, je m'attendais à un niveau vraiment élevé. Et je me dis bon, je vais tout donner, on ne sait jamais. Puis en plus, je sortais d'une sèche, donc je me suis dit, ça se peut, les 17 reps, je n'ai même pas l'air faire. Donc voilà. Donc bah j'y suis allé et franchement le bar game, déjà la salle, le raw training là, ça s'appelle comme ça il me semble, peut-être que ouais, je me trompe, c'est ça, franchement mortelle la salle, franchement elle est mortelle, l'organisation stylée avec un DJ, du son et tout, la structure de la salle et tout, franchement c'est top, on aurait un truc comme ça à Reims, ce serait bien, donc dédicace à vous les All Bar, la team All Bar, franchement vous assurez. Donc je suis passé en premier. Déjà que j'étais en stress, je passe en premier. Alors que déjà je me suis dit putain ça se peut je vais finir dans les derniers. Et là je dois passer en premier. Du coup j'aime bien avoir je sais pas au moins 2-3 personnes qui passent avant toi. Comme ça tu peux te repérer par rapport à eux et te dire putain lui il a fait tant, vas-y faut que je le batte quoi. Et là je partais à l'aveugle en fait. Je partais à l'aveugle, plus ou moins. Mais bon dans ma tête j'avais mon repère, je me suis dit faut que j'en fasse au moins 18. Batte mon record qui était 17. Tac. Donc voilà, vous avez vu la vidéo, j'en ai fait 19, mais une rep n'a pas été validée. Pourquoi? Bah la première rep, vous avez vu, j'ai fait boum, je l'ai bien faite, mais j'ai enchaîné direct, j'ai pas attendu ouais, que la personne me tape sur la cuisse. En fait, avec l'adrénaline et tout, l'énervement, et bah, j'ai pu l'enchaîner direct. Et après, j'ai su récupérer et après faire vraiment des dead stop. Et je suis dégoûté parce que j'ai fait 19 reps, on me valide 18. Donc au fur et à mesure de la compétition, bah, les gens passaient et ils n'arrivaient pas à faire autant que moi. Je fais putain. En fait, ça va. Puis même Joe et Atit ouais, regardaient la fête. Ils disaient bah, ah, ça va, il y a peut-être moi qui fasse un podium et tout quoi. Tu sais, en fait, j'étais pas dans les derniers. T'étais égalité avec un mec quoi. Ouais, j'étais égalité avec un mec, 18 reps. Je suis pas le seul à avoir fait 18. Et tac, au fur et à mesure, ça passe. Je sais, putain, il y a peut-être moyen que je fasse 3ème. Et au final, non, il y a un mec qui a fait 19 reps comme moi, mais lui, il a tout validé. Donc voilà, c'est le game, hein, c'est ça. Ce qui est bien dans leur truc, c'est que c'est strict. Donc t'as des jurés, bras tendus, jambes tendues. Si tu descends pas en dessous des 90, on te valide pas. J'étais trop vite sur la première rep, on me l'a pas validé. Je suis un peu dégoûté parce que du coup j'aurais bien voulu avoir une petite coupe, un petit truc quoi, mais bon c'est pas grave, pour une première je suis content. Donc voilà, donc et du coup franchement ça m'a grave motivé, je pense que je vais en refaire parce que le niveau est haut, mais je suis pas à la rue. Donc il y a moyen de faire des trucs quoi, donc je vais continuer, j'aime bien, ça me convient les dips lestés. Je vais chauffer un peu Joe parce que je sais qu'il a un niveau aussi difficile. Il y a peut-être moyen aussi qu'il soit ça dedans. Après traction, franchement les mecs sont trop forts. Musclope, ils sont trop forts. Musclope, ouais, traction lestée à 32 kg. Bon, j'ai pas tout filmé. Mais vas-y, il y a un mec, il en a tapé 20, je crois, ou 22, ouais. Je sais plus. Déjà 20 à 32 kg. Bras tendus, jambes tendues, dead stop. Faut attendre le clap. Franchement, c'est chaud. Franchement, le niveau, il est vraiment haut. Et je me dis que je suis pas trop loin, donc c'est cool. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. J'ai pas pu filmer beaucoup de perfs là-bas parce que dès qu'on a fini notre truc, nous il fallait qu'on reparte direct à Reims et on avait la compétition de sport de combat. Donc du coup on est reparti direct, j'ai pas pu rester jusqu'à la fin et filmer des perfs et tout que des gens ont fait. Je suis désolé les gars,
Nous, on est reparti direct, il y a de la route, on a mis au moins une heure et demie, deux heures de route à chaque fois. On habite à Reims, c'était sur Paris. Donc voilà. Donc si vous avez kiffé la vidéo, bah mettez un pouce. Mettez un pouce pour ma perf, franchement, je suis content de ma première compète, j'en ferai d'autres. Donc mettez un pouce, partagez. Et surtout, n'oubliez pas, no fake, just training.